Et bonjour à tous, c'est Brian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alienization, l'épisode 10. Alors on va continuer, donc en fait c'est la suite hein, directement, sauf que comme j'ai coupé en deux, voilà. Alors, déjà, ce serait bien que j'allume la manette. C'est bien. C'est bon. Donc, du coup... Mais en fait, je me suis fait... Mais niquer, là. Où faut que j'aille pour chercher un kit de soins... du machin, là, parce que... J'étais partout, y'a rien. Là, elle est fermée. Taper le mot de passe. Putain, c'est quoi le mot de passe? Mot de passe, je parle qu'il est là-dedans. Attendez deux secondes, parce que ça, dirait que ça va me faire chier. Ouais, ça va me faire chier. Décidément. Mais pourquoi tu tournes? Se fout de ma gueule. Concrètement. Parce que là, je vais être éclairé comme ça, sauf que cette putain de lumière ne veut pas m'éclairer correctement. Bien sûr, c'est une lumière. Ah! On va pas toucher, c'est bon. Alors, mot de passe. Hein. Ah! 2505, ok. Cinq zéro cinq. Voilà, truc magnétique, ça c'est fait. J'arrive. Passe de sécurité. Une carte magnétique, mais une carte magnétique pour aller à où? Je pense qu'il faut que j'aille à côté parce que ils me disent que j'ai un objet. Objet utile ou arme. Faut que j'aille à côté. Alors. C'est pas long en plus, je me suis fait. Alors, on va... C'est pas possible. On va re-sauvegarder. On a pris un truc. Deux trucs on a pris. Oh, ça bug un peu, hein. Voilà. Là, je parie que ça. C'est la carte magnétique. Et en plus, oh nickel. Thank you.
Putain, je vais me faire niquer. La maison médicale Saint-Cristobal recommande la mutuelle Sixon. Je vous sens clé. L'esprit tranquille. Bon, pourquoi il est mêlé là? Il est là. Ah oui, ok, il est là. Oui, il est là. Putain. Mais non, mais j'ai glissé. Bon, c'est pas grave. Heureusement qu'on a sauvegardé. Heureusement. Heureusement qu'on a sauvegardé. Hein. Des fois, ça sert quand même. Hein. Putain. Ah, maintenant, on sait que c'est là. Putain, j'ai glissé en fait avec mes... Avec mon doigt. Donc après. C'est un vrai cauchemar ici, Samuels. Putain. Je pense que je suis dans la salle. Je suis à côté. Ah. Ah, ok, c'est pour se cacher. Voilà. Alors. Turner, on a eu une tuile ici à San Cristobal. Bouclez la zone et faites en sorte que personne n'y touche jusqu'à ce que Garcia rapplique avec le légiste. Mais j'ai une chafon. Bon, alors je reviens tout de suite. Alors on se retrouve. Alors bon, moi c'était vachement long, mais alors vous c'est bon. Alors d'ailleurs le disque, j'ai un objet. Siège de Sixon et s'est assis aux premières loges pendant tout ce bordel. C'est un incident grave. J'ai vraiment pas besoin que Ransom vienne compliquer les choses. Waits, terminé. Samuels, j'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit. Donc là. Accéder à la réception. Il faut que j'aille là du coup maintenant. Paul, oh là. Réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu le tir. Est-ce que là du coup faut que je sauvegarde là, ce serait mieux. On les a entendus, la créature aussi. Des infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. C'est bon. Alors là. Là, oui. Nous
putain. Parce que je pense qu'on va repasser là, on va sauvegarder. C'est là, c'est bien là. Ouais. Tac. On va sauvegarder, c'est là-bas. Voilà, comme ça au moins. Voilà, comme ça au moins, sur ce niqué. Maintenant, il faut aller. Là, ok. Je vous jure, ce jeu il est trop stressant. Franchement, oh oh. Oh, je sens pas ça. La maison médicale. Merde, c'est pas là. C'est l'autre là-bas. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. Merde. Une maison médicale. Oh mais non, mais ils sont sérieux. Putain, ils sont sérieux. Là.
Putain, faut râler là-bas, mais ils sont sérieux. Énervez-les. Eh mais non, mais après là, je peux aller en haut, ça se trouve. Oh oh, je suis mort. Et voilà, t'es sûr, t'es moi. Boum. Monte ta gueule, voilà. Parce que là, du coup, faut que je sois encore ouais, là-bas. Là. Tac. Voilà, là on peut pas. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Donc là, normalement, si c'est scripté... La Lenny va venir. Parce que là, ça se trouve, je peux y aller. Donc là, c'est bon. Là, on regarde. Morley, ici Lingard. Suite à l'incident, les Marshalls veulent qu'on interdise l'accès au centre médical.
Ils amènent une équipe pour découvrir ce que la patiente transportait. Même si je les ai avertis que c'était rapide, ils sont persuadés de pouvoir le coincer. Ils ont des filets. Je vais installer un centre médical provisoire à l'extérieur. Vous êtes en charge pour l'instant. Ne laissez pas Cullman vous amadouer. Je n'ai pas envie d'avoir à gérer alors... vos prescriptions avec le Marshall Waits qui nous tourne autour. Donc c'est là, ouais, c'est bien là. Parce que là, si je peux aller là, ce serait bien. La chaîne là. La maison médicale Saint-Christobal recommande à Mutuelle Dixon. Voyagez l'esprit tranquille. Je pense qu'il va venir là, cet enculé là. Oh, il est là. Où est là? C'est bien là. Oh oh. Des humanoïdes. Amorcer les procédures d'évacuation de la maison médicale. J'entends un truc... C'est où? Là, c'est où je viens, donc c'est là-bas. Il y a là. Ah. Lui déjà. On va déjà sauvegarder là. Voilà.
Qu'est-ce que ce bordel? Allez. Allez où? Voilà. Merde. Fils de pute. Oh, le v'là. On a mis un petit coup de taser. Sixon et Sébastopol, un avant-poste du progrès. Merde, c'est où? C'est là. C'est lequel? Merde. Oh oh. Mais non, mais il me frappe là. Non, nique ta race. Let's go, cours. Il faut courir où, Forest? Je sais pas, mais on court. Hein? On va courir, Forest. Hop là. Comme ça au moins il me fera plus chier. Maintenant faut aller où? Ah. Fuir par la réception du centre médical sans San Cristobal. Moi je connais que par où. Oh, je l'entends. C'est là. Donc, demi-tour. Parce que là si je vais là, alors dedans. C'est dedans, là-dedans, ouais. Merde. C'est vrai qu'il y a lui. Thank you.
faut que j'aille là-bas. Putain, j'ai mal aux yeux à la force, putain. Franchement, je me concentre parce que j'ai pas envie de tout faire foirer là. Je vais me sauvegarder au cas où. Tac, on va sauvegarder. La vie va être longue, la vidéo, je le sens. Ok, on retourne là-bas. Non, mais ils sont obligés de nous mettre un strobe là. Putain. Je passe là? Ouais. Putain, allez, dégage. Hospi, dégage. Putain, il est là. Voilà. Oh. Il est sérieux? Il veut faire une crise cardiaque? Waouh. J'ai une crise cardiaque. J'ai eu une crise cardiaque, c'est un truc de malade. Échappez-vous. Et où est-ce qu'on ? C'est pas là, c'est où ? C'est abusé. Échappez-vous, c'est fermé.
Ah. C'est quoi cet symbole? Il y a un symbole là-bas. Lire. Lingard, mon nom est Julia Jones, je suis écrivain. Je traite actuellement de la mise en service de Sébastopol. J'espérais m'entretenir avec vous au sujet de vos expériences sur la station. Et vous savez, les ressources médicales très limitées, l'effet psychologique de l'espace lointain sur les patients, ce genre de choses. Mais écoutez, j'ai entendu que récemment il y a eu... Alors, donc c'est bon. Alors, on est reparti. Donc, alors, j'ai regardé. Alors, c'est là en fait. Ça vise comment? On voit pas du tout. Allez. Allez, bâtard. Allez. Ça, c'est accusé. Allez, allez, on arrive, on arrive. Oh, ça fait mal. J'ai ressenti. Allez. Je pense voilà qu'il faut repartir et voilà direction c'est synthétique ouais voilà et enfin on a déverrouillé bah j'ai pas vu ça allait trop vite propagation c'est ça donc j'espère que ça vous aura plu on se retrouvera pour une prochaine vidéo allez salut.